bas de la rue, dans le coup bas mi devenu un vaillant de la vie que c'est coup dur. J'ai mis si quand mis sur tout bas, ma connu la galère et mi a voulu dur. La mi pense tout bas, c'est que c'est un peu dévoué, il me va dit tout, c'est que c'est ni plus avoué. Cette année mi pense mi dans le nuage, avant de décoller mi a seul atterri. Sataz, comment il est? Ça va, tranquille homme. Bah ça va, tranquille. Content de rejoindre là-haut, où ça nous l'est là aujourd'hui? Bah l'année Roche-Maigre, le quartier où ça m'a grandi, mon école t'étais là, comme t'es petit. Et voilà, c'est le quartier quoi, tranquille. Maintenant, on est plus spécialement ici hein? Non, c'est mon ami habite ici, mais habite la rivière Saint-Louis, un petit peu plus haut. D'accord. Et comment t'es allé de grandir ici, Roche-Maigre? Après, en vrai, de base, m'a grandi Saint-Paul, mais après des problèmes familiaux, m'a habite ici chez mon aimé. D'accord. Il change en fait la mentalité dans les hauts et dans les balais, pas pareil en fait. Ici, c'est plus camarades, vélo, sortir, voilà quoi, les trucs d'enfant, d'un temps avant quoi. Bien sûr. Ah, vous l'habitez Saint-Paul aussi alors? Oui, il m'habite dans le Saint-Paul, barrage. Yeah. En passant en big up barrage quoi. Yes, yes. Et alors, ici souvent, comme il passe, il y a Saint-Louis, le Mouni aime la musique. Ah oui. De ouf. Il passe devant. Si, si c'est l'ambiance à gogo, on connaît lundi, jusqu'à dimanche, et voilà quoi. Ouais. Si, il aime le son. Et à aussi, t'es pareil? Vous l'avez grandi d'une famille où on avait l'ambiance, la musique comment? Plus côté mon papa. Mon monté aime un peu l'ambiance, mais pas autant que la famille côté papa là-bas. Mon tonton, il joue à la batterie, il fait tout de quoi. Après, on a deux cousins, ils chantent. Ouais. Général avec MC Trompette. Ah oui, et voilà quoi, ça c'est une bonne cousin. Et voilà quoi, après, la musique est dans le sang, comme il dit. Hein. Et alors, comment ça a commencé, ça pour toi? Après, il pense avec l'influence de mon bonne cousin, comme tu vois, on a fait le son. Il t'aime bien. Et après, voilà quoi, un jour, on m'a dit, on a envie d'essayer. Et mon cousin l'a poussé à moi et jusqu'aujourd'hui, il est là quoi, en vrai. Bah, t'es aidé ou peut-être enregistré un peu. Ouais, après, c'est tout tes diamants. Après, en vrai, il m'a grandi aussi de leçon de système. C'est aussi, je pense qu'elle a aidé à moi beaucoup en fait. Ah. Comme toi, les gars, tes kicks, même t'aimes bien, petit t'es. Mais si Mané peut faire ça, moi aussi, je peux faire ça en vrai. Hein. Faut juste mettre la tête dedans comme tout. Et depuis ton petit, voilà quoi, m'a dit, c'est fait ça jusqu'aujourd'hui, mais il est là quoi. En vrai. Et fait, ici, Saint-Louis même, du coup. C'est ça pour le bain de son ouais, système. Si, ouais. Après, Saint-Louis n'a pas trop son système, c'est plus dans les hauts Saint-Paul. Mais comme tu es ici, des fois, tu fais exprès mon week-end chez mon papa. Et juste pour aller de son système, quoi. Regarde les gars kicker en vrai. Et voilà quoi. D'accord. Et marrant parce qu'on est d'une autre génération, disons. Ouais, voilà. Au sein de système, sincèrement. Ouais. Mais comme on l'a connu, ça, disons, là, d'avoir un bon fondation. Si, si, de ouf. Là-bas, il trame micro, il kick, il garde pas qui fait quoi. Ouais. Il a quoi, on a un pro, et voilà quoi. C'est la parole, là, parole, mais c'est là-bas, c'est plus son. On a un pro, quoi. D'accord. Tu sais, ben là, en plus. La situation, les compliquée, tout ça. Ah oui, là, le Covid, franchement, il arrange pas les choses en vrai. Ouais. Et toi, tu avais fait quelques scènes avant, hein? Oui, il m'a fait quelques scènes. Après, pas trop longtemps, malgré la crise sanitaire, avec la zone, il y a eu deux, trois petites prestations. Live RSL avec Kervegan, quoi, tranquille. Je l'emmène direct direction Rio. Dans des gens, je suis le roi, je suis parié. On m'a su le poignet dans le cabrio. En plus, même pour reparler un petit peu de tes débuts, moi les premiers sons que m'avais pu découvrir, c'était quoi? C'est 2015 qu'on la commence peut-être très belle au public. Ouais, 2015 en vrai, 2015. On avait un freestyle. Un petit freestyle comme tu es dans la chambre. Et voilà quoi, tranquille, on a fait ça à mi-temps chez mon cousin. On avait un instru, un baf, et voilà, on m'a décidé de chanter quoi. Ça t'est fait tout de bien. Allez, passe-toi à nous. Comme nous l'y en place. Ça y tape pas nous. Et alors du coup, moi pour moi, on a eu un tournant, en tout cas, ces derniers temps. C'était quand pour toi que ça s'est passé? Après, en vrai, je pense fin 2020. Ok. Et c'était dû à quoi? Par rapport à la musique et surtout, après, il arrive plein de choses dans la vie que difficile à gérer, mais voilà quoi, tranquille. Ouais. En tout cas, il y a une partie où, il faut que les gens sachent aussi, c'est que autant Tataz existe en solo, qu'il y a un duo aussi derrière, ouais, avec Clems. Ouais. Parle-nous un petit peu de cette manière-là de travailler la musique. Bon, en vrai, de base, tu fais le son tout seul. Après, on m'avait fait le son avec Larry Joe, un gars Saint-Louis aussi. Oui. Après, voilà, on m'a refait le son tout seul. Après, là, on m'a fait un peu le son avec Clems. Et voilà, nous cause toujours, de toute façon, hein, c'est la musique en vrai, c'est le partage. Mais voilà, là arrive des choses, là se passe des choses que maintenant, voilà quoi. Et te demander d'ailleurs aussi, ouais. Effectivement, on a passé un bon bout de temps avec Bombay Prod. Ouais, Daïdom. Big up Daïdom en passant. Yes. Kosa Banala, porte à où un peu?
Mais déjà, je pense la mentalité et surtout la rigueur. Toujours être au top, faire un son, ça c'est bon, ça c'est rien. D'accord. Et après, voilà quoi, là-bas, c'est. Même bien par rapport, on n'avait pas que la musique en fait. Même en dehors de la musique, tu passes des bons moments, tu sais apprécier, des trucs comme ça et tranquille quoi. Ouais. Même sur l'aspect visuel, mieux ouais. Que banal, oui. Beaucoup. De ouf, de ouf. Daidom très fort en clip. Ouais. Et voilà quoi, c'est bien, tranquille. Et donc, du coup, au début de notre discussion, tu t'es dit, oh voilà, 2020, c'était une année compliquée pour tout le monde, c'est sûr. Mais pas trop pour ta tasse, j'ai l'impression, moi. Parce que 2020, avec ma PSA 1, 2, 3, franchement, ça, il faut en parler. Ouais, de ouf. Après, voilà, comme il pense. Au début, comme on a toujours dit, le son, c'était un son dans mon champ, m'a largué, sans pub rien, à part des trucs snap, mais voilà. Ouais. Et en un mois, on a fait 5 000, en 2 mois, on a fait 10 000. Et après, tout à coup, ma vie, tout le jeu, t'es monté 2 000, 3 000, parce qu'un jour, là, mon 10 000 en un jour. D'accord. T'es impressionné. Et après, voilà, quand le son l'a bien tourné. Et voilà, la dame a un petit coup de pouce et si elle tout l'encouragement, ben là maintenant, m'iconique, ce qu'on attend le moins, c'est là des fois reçoit le plus. Et si tout travail, arrête pas quoi. Ouais, un jour là, le travail va payer. Ça, c'est un truc que. Et d'ailleurs, c'est le cœur de ma PSA. Ah oui, deux. Et c'est fait passer un message et surtout, cette me ressent, cette envie d'en parler en fait. Cela arrive à moins des trucs comme ça quoi. D'accord. Et l'autre gros fait marquant, disons fin 2020, début 2021, c'est la grosse collaboration. Qui a réuni toute la jeunesse du sud. Ouais, de ouf, avec la zone. Avec la zone, effectivement, marque de streetwear. Comment s'est passée un petit peu la connexion? Bon, on fait compte de base, il y a Sina Vitex à main sur Snap, il y avait déjà un petit projet à faire. Et de base, après, il n'y avait pas trop en parler à main, vu qu'on était avec Daidom, et on parlait avec Daidom direct. Après, Daidom a dit, vas-y, ouais, donne-moi l'autorisation, ma partie. On fait compte de base, il a fait un album, il a réuni des chanteurs, c'est les Raz, Edel, à main. Ouais, il y a Erwan, voilà, ouais, des trucs comme ça. Ouais. Chacun a fait des sons. Ouais. Deux, trois, a fait un feat. Et après, voilà qu'on a fait le son. Et pour moi, de battre, ça s'arrête là, entre guillemets. Et après, comme on a fait sortir ça sur les plateformes, on a vu l'a bien marché, ben, il a décidé de faire un son, nous tous réunis avec. D'accord. Je vais avec Texamain. Un genre de bande organisée, quoi. Voilà, deux, voilà. Il y a Texamain, il a dit, rendez-vous demain chez DJ Mimi. T'es là, recommitté l'école encore. M'a sacrifié mon corps pour ça. Mais il vaut la peine, en vrai, ouais. On a fait le son. Après, on a clippé le vendredi, si m'y crois bien. Ouais. Et voilà, le son là, on a fait le clip, voilà. Après, la sortie, la bien tourné de ouf, hein. De moi, on a bien apprécié. Pas tout ça va. Des fois, le matin, pour le bus, pour aller à l'école, on entend la zone, franchement, il fait un plaisir. Ouais. De moi, il pense qu'il n'est pas qu'il met dedans. C'est mais... la première fois qu'on entend la voix à la radio? Non, aussi, non, mais ça, c'est un son qu'il entend, franchement. Peut-être sans mentir, 5 fois, exo, ouais. 5 fois ou 6 fois. Ah, il est de ouf. Ouais. Pour, peut-être qu'il n'a pas touché le million, mais. Voilà, d'aujourd'hui, il y a une petite descente. Un gros score quand même. Ah oui, il a bien monté. 200 000 vues déjà. Et après, il a même passé sur Antenne Réunion, si je me crois bien. Ouais. Et franchement, quand on l'a dit, c'était quoi le tube de l'été? Ouais. Mais monsieur là, c'était la zone, franchement, on était trop content. Il y a pas d'intérêt. Ah oui, ça c'est. Là, franchement, on était trop content en fait. En plus, t'as sorti un gros couplet toi là-dessus. Ouais. Tu peux la mettre quoi, tranquille. Et donc, ouais, je te demandais s'il y avait des. Il y avait des collaborations là, que tu rêverais de faire un peu, soit beatmaker, soit artiste, soit réalisateur. En des gars avec qui tu as envie de travailler là. En tant qu'artiste, chanteur, ben là, comment ce moment tu veux rêver? Pas rêver, avoir un bon feat avec le ça, même s'il est là-bas. Ouais. Après, en vrai, non, c'est parce qu'il fait 2-3 sons. Après, en vrai, c'est pas des gros artistes, mais le seul artiste qui m'y veut vraiment, c'est Kosla. Ah oui, son style musical, la façon il pose, calme, la mélo. C'est quoi ce langage? Et des compositeurs ou des réalisateurs un petit peu locaux que tu vois en vogue? Réalisateur, je me dirais 7 Killa. Ouais. Et compositeur. Je ne vois pas vraiment, mais compositeur, Mie, c'est bien entouré en vrai. Na MS Prod, Luigi Beats, Michael. Ça va quand même. Mais content à main de ça en fait. T'as des bons là dans le sud autour de toi là. En ce moment, ça va. Ah oui, de ouf. Dans ma fait ça, il y a beaucoup de. Tu parles beaucoup de courage, travail, détermination. Ouais, il faut de ouf. Si tu as un message, tu vois, à passer à des plus jeunes gars là qui sont en train de bosser la musique, qui ont envie de faire quelque chose là-dedans, qu'est-ce que tu dirais? En vrai, crois en vous et surtout, si on a des idées en tête, regarde, écoute pas les autres. Ouais. Et surtout la rigueur. Ouais. Et voilà quoi, parce que. En même, il pense qu'il y a eu plein de coups bas par rapport à moi, tu écoutes beaucoup aux gens, surtout les proches qui t'entourent, pas forcément t'es dans le même avis que moi. Et voilà quoi, aujourd'hui, je me dis, oh,
il connaissait Tifo Fils qui, après Mijaouf, surtout le nombre d'amis très restreint en vrai. Ouais. Plus on a camarade, plus on va avoir, on aura des, entre guillemets, des coups de pute. Mm. Et voilà, Dieu merci, ma Elon amène tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, m'a compris un peu la vie, quoi. Ok. J'ai une question toujours spéciale RG. D'accord. Si ta musique était un plat ou un accompagnement réunionnais, ça serait quoi? Un paella. Deux. Voilà, de ouf. Parce qu'il fait tout. Il est pas trop réunionné, mais bon. Mais voilà. Remixé, quoi. Ouais, de ouf, de ouf. Ouais. On dirait bien. Ben, okay. Tu peux aller là, quand même. Il mélange un peu tout, un peu de saveur, un peu de saveur de l'étranger. Si, si. Un peu ouais, de... si. Voilà, ici, des fois, une chanteuse pourrait parler des expressions mauraises, français, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Ramène un peu tout, la mélodie, le kickage, et voilà, quoi. En okay. vrai. Un mélange, quand même, un bon mélange, en vrai. Ouais, bien sûr. Ok. Et alors. Si par exemple tu devais me conseiller là un artiste que je devrais aller rencontrer, soit dans ta cour, soit ailleurs, qu'est-ce que je devrais aller voir selon toi? Monsieur Le Sa, Idriss Le Sa. Ok, merci. En okay. tout cas pour le temps, je nous retrouve. Ok, pas de problème. Nous t'es avec Tataz ici à Saint-Louis. Donc ce que m'invite Azot à faire, c'est suivre Tataz sur les réseaux sociaux, à l'écoute, sans bonne son sur YouTube, sur les plateformes de streaming. Et aussi abonne Azot à la chaîne, l'équipe, c'est super important. On a des nouveaux formats qui arrivent, des freestyles. Toute cette zone sur la Réunion, on va porter ça très loin. Big up.